dont la nuit du 19 au 20 juillet dernier, la nommée Rukayatou, mère de deux enfants et enceinte, avait été violée puis assassinée au quartier Kamkaro, à Garoua. À la découverte du corps, les populations de ce quartier de Garoua étaient stupéfaites. La justice a fait son travail et voici donc le présumé assassin de Rukayatou, un homme âgé d'une trentaine d'années, désormais aux arrêts. Madame Rukayatou a été assassinée dans la nuit du 19 au 20 au quartier Kankaro, Garoua. Les recherches nous ont permis d'interpeller un suspect et l'enquête suit son cours. Par la même occasion, un groupe de présumés voleurs à main armée a été présenté. Quatre jeunes hommes, âgés de 18 à 20 ans, sont accusés de nombreux forfaits dans la ville de Garoua. L'opération Adano, à sa phase 3, nous a permis d'interpeller un suspect recherché. L'exploitation de ce suspect nous a conduit à retrouver trois autres, dont un en Ngaoundéré, deux ici dans la ville de Garoua. Détenteurs d'une arme de calibre 12, ces jeunes ont commis de nombreux actes de banditisme dans la ville. Nous étions partis à Yaoundé pour travailler. Dans la maison où on travaillait, on a trouvé une arme. C'est celle du propriétaire de la maison où on travaillait. Nous avons pris l'arme et ensuite nous sommes rentrés à Garoua. De là, on nous a arrêtés au quartier Doualaré. De bons points pour la gendarmerie nationale qui continue de ratisser la hache. Les situations d'insécurité vécues ça et là reculent progressivement avec des opérations en cours dans la zone.